des fois les pieds aussi, c'est pour ça que les filles, on a toujours tendance les doigts de pied à l'air. Donc du coup, maintenant qu'on a fait le temps, il y a trois temps, et qu'on a fait le suave, on peut passer au balancer. Balancer, donc variation du trois temps, d'ailleurs je fais une autre variation du trois temps. Donc balancer, variation du trois temps, très simple, on avance tout simplement. J'avance, j'avance, puis j'en recule. Droite, gauche, droite, recule, avance. Donc là on va faire un rocking chair sur. Droite, gauche, là on fait pour que vous compreniez la mécanique. Droite, gauche, droite, gauche, balancer, droite, gauche, balancer. Et quand on délie un petit peu le mouvement, balancer, on avance, balancer. Ok, donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment vos transferts de poids qui font le boulot. Donc au début, on le fait en mode rocking chair pour que vous compreniez bien le côté mécanique. Et ensuite, il y aura ce petit je fléchis en fait au sol avec mes genoux et je remonte. Et c'est ça qui va faire que si en plus de ça, vous êtes détendu au niveau de votre abdomen, surtout pour les filles, vous allez avoir ce côté naturel qui va balancer et qui va onduler. C'est ça. Pour les garçons, je ne vais pas forcément vous parler de fléchis parce que les garçons, vous nous connaissez, on est dans l'excès en permanence. Si je vous dis que vous fléchissez, vous allez me faire des trucs qui vont aller comme ça. Donc nous, on ne va pas fléchir, on va juste sortir un peu la hanche sur le côté. Et du coup, ça va vous permettre de fléchir, parce que finalement, en se pensant la hanche, on fléchit légèrement. J'avance, j'avance, je sors la hanche. Et vous voyez, en sortant la hanche, il y a tout qui fléchit. Hop, et je reviens. Je sors la hanche, je reviens. Je sors la hanche et je reviens. Je sors et je reviens. Ainsi de suite. Donc c'est très léger. Plus ce sera subtil, mieux ce sera. Plus ce sera forcé, plus vous allez sentir que votre mouvement ressemble à quelque chose de tout là. Oh. Avec beaucoup de désaxage et pas beaucoup de branches finalement. Franchement, on exagère à peine. Voilà. Donc, on a vu des choses en soirée. Essayez vraiment de suivre bien vos directions. Elles sont bien avant, arrière, avec un petit mouvement de hanche. Hop, je recule. Boum. Donc ça, pareil, selon les corps de chacun, entre guillemets, ça peut mettre plus ou moins de temps à arriver ce petit balancer avec vos hanches. Ne vous inquiétez pas, plus vous allez bosser, plus ça va bien. Et ça, pour le coup, vous pouvez le bosser en solo. Vous avez déjà les vidéos en solo. Ah, vous devez le bosser en solo même. Si vous avez du mal à le faire à deux, bossez-le en solo. Très important. N'attendez pas d'être avec un binôme. À savoir que le balancer, là on vous fait montrer un balancer typique que vous pouvez balancer sur les deux jambes. Sur n'importe quel. Vous n'êtes pas obligé d'avancer de temps, vous pouvez avancer pendant 5, 6, 7, 8 ans si par exemple la piste vous le permet, puisque c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Le balancer n'a pas de limite, les gars. On part en déplacement avant. Je marche et là finalement, hop là. Et là, hop, c'était sur l'autre jambe. Hop là. Avec laquelle on n'a pas l'habitude. Hop là. Et là, par exemple, si j'enchaîne des balancés. Ça marche aussi. Hop. Le balancer, vous connaissez. Celui que vous connaissez aussi. Et boum. 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 Et en gros, à chaque fois que je change de trajectoire, je sors ma hanche pour absorber le changement de direction. Donc ça, c'est vraiment, faites-le régulièrement, ça va devenir un automatisme. Et le but du jeu, c'est que quand vous voudrez sortir votre balancier, vous n'allez plus le faire schématiquement au bout de 1, 2, balancer. Vous allez juste vous dire, ah tiens, là j'aime bien la musique, à ce moment-là, il y a une petite rondeur dedans. Hop, je mets la rondeur dans mon mouvement tout de suite, instantanément. Et du coup, on commence direct la musicalité.